Président mal élu après une invraisemblable série de décomptes de voix, George Walker Bush a finalement conquis le cœur des Américains depuis le 11 septembre. Ses hésitations, ses cafouillages sont désormais oubliés. Il passait pour maladroit et se révèle aujourd'hui extraordinairement populaire. Alain Chalvron et Aaron Diamond. Lorsque George W. Bush prête serment en janvier dernier, il est le plus mal élu des présidents américains. En fait, il a même été choisi par la Cour suprême. Et les Américains se demandent, avec un peu d'angoisse, en le voyant ainsi danser le jour de sa prestation de serment, si la Cour a fait le bon choix. Il y avait beaucoup de points d'interrogation sur ses capacités. Il n'avait jamais eu de poste national. Et même d'une certaine manière, sur son intelligence, tellement il avait fait de gaffes durant la campagne. Ainsi Bush avait-il dû avouer ne pas connaître le nom du président du Pakistan, un de ses principaux interlocuteurs quelques mois plus tard. Bush apprendra, il travaille, délègue beaucoup et fait le tour du pays. On a parfois l'impression qu'il est plus à l'aise sur les terrains de sport que dans son bureau. Arrive le 11 septembre. George Bush est alors en Floride, dans une école, pris de court comme tout le monde. Il paraît décontenancé. Pour des raisons de sécurité, il passera le plus clair de son temps ce jour-là à tourner en avion. Et l'Amérique a un moment l'impression qu'il n'y a pas de pilote aux commandes. De retour à la Maison-Blanche, il paraît au bord des larmes. I'm a loving guy. Dans les jours qui suivent, W fait un sans faute. Une visite à Manhattan sur les lieux de l'attentat où il trouve les mots justes. Et un discours historique devant les deux chambres du Congrès. Justice will be done. Justice sera faite. Bush se transforme en chef de guerre, liquide en quelques semaines le régime des talibans, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et même si le sort de Ben Laden est encore incertain, sa popularité frise les 90%. Je pense que le conflit a été très bien géré. Avec Bush et ses faucons autour de lui, on aurait pu s'attendre, on aurait pu craindre une réaction, des frappes aveugles, de beaucoup de forces militaires un peu partout, sans vraiment réfléchir à une stratégie. Bush, le héros, peut aujourd'hui prendre des vacances dans son ranch du Texas, sans que personne ne le soupçonne de ne pas aimer son travail.